Yo les potes, c'est un nouveau défi. Celui-là est très compliqué. Celui-là est très compliqué parce qu'il faut avoir à peu près 200 de builds différents en une seule partie. Donc, je vais vous montrer le meilleur spawn pour moi, à mon goût. Hop. Alors, on va collecter et après je vous montre où est-ce que c'est sur la map. Le bois, la brique, c'est ici. Hop. Et il me manque un peu de briques. Normalement, il me manque un peu de briques normalement. Je vais farmer au cas où, mais on a fini le défi. Hop. Donc voilà. Je vais vous montrer l'emplacement tout de suite, les gars. Hop. Déjà, je vous conseille la Fort Empoigne, parce qu'en Fort Empoigne, vous avez déjà 150 de build. Donc ça se trouve que ça se trouve vous lancez une partie de Fort Empoigne, ça se trouve vous avez déjà la mission. Donc en tout cas, voilà, vous lancez un Fort Empoigne et vous allez juste là, regardez, Weeping Wood. Il y a une petite rivière juste à gauche du rond de rivière. Hop, il y a la maison. Et juste ici, ok? Juste là. Hop. Ici, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une grosse statue comme ça, tomate et burger, qui donne extrêmement beaucoup de métal. Donc, vous cassez une des deux, ça vous donne plus de 75. Ensuite, il y aura des grands arbres. Donc, moi, j'ai pris celui qui était juste là. Hop. Vous le cassez. Boum, boum. Ça va vous donner à peu près 50, 60. Hop, vous mettez quelques coups dans un deuxième coup d'arbre. Et ici, vous allez avoir une pierre que j'ai cassée en une fois. Ça donne plus de 75. Et vous avez aussi une pierre là-bas. Et vous devez faire tout ça en une minute, les gars. Et en une seule partie. Parce que j'avais déjà essayé. Et ça marchait pas. Donc, il faut faire une seule partie. Honnêtement, une minute, c'est très très long. Vous avez le temps de bien casser. Du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et aussi, petit tuto. Vous voyez, en haut de la map, il y a un timer. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous repérer au timer. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de penser au code créateur NSQ de la boutique. Voilà. Ciao ciao, et j'ai fait tous les défis au cas où. Bisous bisous.